Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une ouverture de courrier. Ça fait un petit moment, bon, moi, que j'ai reçu notamment le courrier de Petite Frimousse. Les timbres, l'enveloppe aussi, parce que j'ai gagné à son concours. On va découvrir. J'avais déjà ouvert l'enveloppe, forcément, j'ai fait ma curieuse. Et nous avons donc une petite cartounette. Ah, l'écrire à la machine, c'est une bonne idée parce que des fois, moi pareil, j'ai une écriture de cochon au moins. Pour me remercier de ma participation à son concours, voilà, une petite cartounette comme ceci. Et j'ai gagné le tampon. À vrai dire, c'est vrai que quand j'avais vu le tirage un peu trop tard, je voulais lui envoyer un message. Parce que je n'en voyais pas trop l'utilité, je ne l'ai pas, je l'avais jamais pas acheté. Mais après, à vrai dire, en réfléchissant, parce qu'il faut toujours se creuser la tête, je ferai peut-être un petit truc là-dessus à ma façon de détourner ce tampon-là. Parce que voilà, c'est ces tampons que j'utilise pas vraiment, mais il est très joli, hein, pour ceux qui aiment le chabis, le sachet de thé là, c'est super mignon. Mais j'ai une petite idée pour détourner ce tampon. Je vous montrerai ce que j'en ai fait. Je te remercie infiniment, Claudine, en sachant que elle a envoyé un courrier à toutes ses participantes et elle n'en avait pas qu'une, hein, je crois qu'elle en avait plus de 40. Voilà. C'est super gentil de ta part. Merci, merci. Claudine, petite frimousse. J'ai bien reçu. Voilà, même si je t'ai pas envoyé de mail parce que j'ai des soucis de mail et j'ai changé d'adresse et je n'ai plus les adresses, toutes les adresses des copinettes. Maintenant, je mets mon mail dans la barre de description. Si vous voulez me joindre, ça sera plus simple parce que je n'ai plus du tout, pas, j'en ai quelques-unes, mais pas toutes les adresses de tout le monde. J'ai réussi à force de revoir des autres adresses. C'est bien. J'ai également reçu Nani qui faisait sur une de ses vidéos une série d'ATC. Elle nous demandait, elle nous posait une petite question et si on avait répondu à la petite question, c'est-à-dire si on avait regardé la vidéo jusqu'au bout, elle avait oublié un objet parce qu'elle est en vacances en ce moment. Elle avait oublié un objet important. C'est son petit biberon, vous savez, de précision qu'elle avait oublié. Notamment, fallait répondre à ce qu'elle avait oublié. Et donner un nom à sa série d'ATC, et puis comme ça, elle choisissait tout ça, machin. Finalement, comme j'étais, je veille très tard, et je dors pas beaucoup, j'ai des problèmes d'insomnie depuis mon opération. J'étais la première à répondre à son commentaire. J'ai gagné une ATC. Nani, hein, c'est une pro, du mix média. Elle fait des fonds d'enfer, elle réalise tout elle-même, notamment cette jolie enveloppe superbe que je vais m'empresser de garder. Tes timbres n'ont pas été oblitérés. À chaque fois qu'il y a une enveloppe décorée, c'est pas oblitéré. On va découvrir tout de suite. C'est superbe. Superbe, superbe. Alors, la tester après. Une jolie carte. Feuillage, alors. C'est un du nani. Un fond à tomber, de la pâte à structure, un joli sentiment, ça fait super beau carré comme ça. Une feuille, ça a un nom, ça, je ne sais pas, des demi-perles, mais alors un fond fait, je pense aux encres ou au spray, aucune idée, parce qu'avec Nani, voilà, même moi si je fais un peu de mix, je fais du mix média, c'est pas toujours évident de savoir ce que les copinettes elles font sur leurs petits trucs. Elle me dit bravo, Speedy Gonzalez. Oui, mais je ne dormais pas, Nani, quand tu as posté ta vidéo. Forcément, à 3-4 heures du matin, j'étais la première. Et que je t'ai donné la bonne réponse. Voilà. Je suis super contente. Ta carte, elle est magnifique, comme toutes tes cartes et toutes tes ATC que j'adore, qui me donnent énormément d'inspiration. Nani Scrap, la chaîne Nani Scrap. J'adore, j'adore, c'est mon kiff. Et donc, il y a la petite, fameuse petite ATC qu'on devait gagner. Alors, un fond, pas de texture, fond patouille avec
pas de texture, donc c'est un mur, une jolie découpe colorisée de petites fleurs, une demi-perle, le ça, je ne sais pas du tout comment elle l'a fait. Et c'est donc, elle l'a appelée fleur solitaire le 6 juin 2020 et c'est la une sur trois. Elle est topissime, j'adore. Superbe, superbe. Nanny Scrap. Donc super contente, à chaque fois je reçois une petite ATC de ma nanny. Je commence à avoir une bonne petite collection et elles sont sublimes, sublimes, sublimes. J'adore, j'adore, j'adore. Mille merci ma nanny, je te fais des gros bisous. Trop contente. Superbe, superbe. Je remets dans l'enveloppe que je vais garder évidemment. Hein. C'est du serviettage. Elle est pas mal ta serviette. Il me semble que tu m'en avais envoyé avec des notes de musique comme ça. J'ai ensuite reçu un courrier qui me vient de Mamie Jo. Mamie Jo. Ouh là là, c'est superbe. Alors elle m'a fait comme un carnet ou un. Je vais regarder. Ouais, c'est comme un portfolio cousu avec. J'en ai des tissus comme ça et c'est vrai, ben, c'est rangé, puis je ne pense pas à l'utiliser. C'est donc du papier vieux matelas. Donc cousu, on va ouvrir comme ça. Hop là. Elle a fait comme un carnet, ça fait trop beau. L'image est également cousue. Un joli bouton superbe avec des petites dentelles. Il est beau. Une image forcément vintage, comme j'adore. Superbe, superbe. Et dedans, c'est comme ceci, avec des petites pochettes, une languette comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons un tag. Alors, il y a un petit mot. Ah, non. On n'a pas mis de mot. Ah, c'est là. Waouh. C'est trop, trop beau. Trop, trop beau. C'est un tag. Alors, tag, tag, comment vous expliquer? Je regarde, regarde avant. Il y a du collage de papier, forcément ancré. Un petit peu de dentelle, superposition de papier. Ça, c'est un washi. Super joli. Des petits boutons. Il est trop beau ton tag. Superbe. Superbe papier aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un papier ou si c'est toi qui as fait des pochoirs tampons. Mais c'est superbe. J'adore, 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 j'adore. Superbe, ton washi, il est magnifique. Trop beau. Du tamponnage, forcément. C'est magnifique. Mamie Jo, elle commande souvent, souvent les vidéos des copinettes. J'adore ce qu'elle fait. C'est trop, trop beau. Merci. Et en fait, oui, elle a gagné, donc. C'est vrai qu'elle a gagné. Mon concours des 1000 abonnés. Ah, d'ailleurs, c'est pour me remercier, mais il fallait pas, Mamie Jo, hein, de me remercier. Alors, voilà, j'ai été donc absente à un moment sur YouTube, j'ai subi une opération, je vous le dis, de la thyroïde. Et c'est vrai que mon dosage, ben, c'est comme ça, Mamie Jo, c'est comme ça. Ça, il faut que je revoie, il faut que je change mon dosage. D'ailleurs, j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. D'où mes insomnies. On essaye de régler ce souci-là, mais sinon, mis à part, ça va très bien. Et voilà, j'essaye de revenir, ce qui n'est pas évident, hein, de refaire des vidéos sur YouTube. Hein, on perd vite le fil. Mais bon, ça va. Ton tag, une tuerie, j'adore des peut-être. J'aime bien, c'est vrai que je ne pense jamais à mettre des petits boutons, mais ça fait bien. Hein. Mais ton idée de petit portfolio comme ça, j'aime bien. Alors ici, on a une superbe enveloppe. Alors tu as collé du papier, c'est pas du papier, de la dentelle. Alors c'est une enveloppe cousue, hein, à machine. Ceux qui n'ont pas de machine peuvent coudre à la main ou alors coller, tout est possible. Hein. Comment ça s'appelle ça? Pas de l'organza, mais c'est. Comme de la enfin, on va dire dentelle, sur du livre, du vieux livre ancien. Voilà, et ouais, voilà, c'est un vieux livre, et t'as cousu ta dentelle dessus. C'est trop beau, en plus en vert, j'adore. Et là, super beau, elle a fait un embellissement, une superposition de différents papiers. C'est juste magnifique, avec le petit bouton qui va bien. Et dedans,
Elle est trop belle, ton enveloppe. Oh, génial. Une petite ATC. Cachez-vous, elles arrivent. Trop, trop beau. Alors, avec des fonds, je pense que c'est soit des sprays, soit des encres. Je n'en ai aucune idée, parce que c'est pas évident. Du tamponnage, ça, c'est sûr. C'est juste trop beau. J'aime bien ce... Je sais pas, en ce moment, j'aime bien les styles un peu comme ça. Pourtant, je suis pas très... je suis pas couleur, mais dans mon scrap, il est assez foncé. À part, je ne sais, à part le bleu, qui est une couleur qui dénote un peu dans mon scrap. Mais je trouve que c'est trop beau. Ça fait un peu graphique. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, c'est la 6 sur 6 Marie-Jo. Elle a été faite le 5 mai 2020. Les bébêtes. Ah, elle est trop jolie. J'adore. Trop beau. Et le petit mot comme ça apporte tout de suite. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Trop, trop beau. J'aime bien ce style-là. Coloré, tamponné, ça fait superbe. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mais c'est vraiment ton style, mamie Jo, moi. Oui, mamie Jo, Marie Jo, j'ai le bal. C'est vraiment ton style et j'aime bien ce style-là d'ATC, en fait. Et je vais peut-être essayer d'en faire un peu comme ça, que je cherche un petit thème que j'aime bien. Alors, je vais peut-être utiliser des brochots. Si, je ne sais pas. Superbe enveloppe, magnifique, magnifique. Tout ça dans une pochette cousue. Alors, je vais vous montrer comme ça. Cousue avec des petits pois que j'adore. Avec une petite pochette comme ça, de la dentelle. Elle est juste superbe. Superbe, superbe. J'adore, j'adore. Oh là là. Et là, elle m'a fait un petit album. Ah non, c'est un rangement d'ATS. Et si je me raconte bêtises, ça c'est le dies. Oui, c'est les grands dies action. Je reconnais la forme. Si je me trompe pas, hein, tu me diras. Ah, c'est pas bête ça. Elle a collé. Alors je regarde en même temps. Collé. Ah d'accord, ok. En fait, elle a fait un pli. Elle a collé toutes ses feuilles comme ça. Elle a perforé, mis des jolis petits papillons en œillet, petit flot. Là, elle a une découpe de rouage, donc forcément matée avec du papier. Enfin, je sais pas si on dit matée, mais avec du papier en fond. Là, c'est une petite carte postale avec des petites paillettes, un petit tamponnage de vélo. Et une petite pince comme ça, c'est trop mimi. C'est trop rigolo. Et quand on ouvre, on a donc des ATS. Ouais, c'est bien ce que me semblait que c'était le dies de chez. Alors, je suis un peu gauche. C'est pas bête comme idée. Je vais te piquer ton idée. Parce que des fois, quand on a des séries de 3, je trouve que c'est sympa ce format-là. Et elle m'a fait donc une ATS. Jouet d'antan. Mamie Jo fait le 22 2020. C'est la 1 sur 3. Trop beau. Alors, jouet d'antan. Le cerf-volant. Trop, trop beau. Alors, à des fonds. Je pense que c'est des fonds. Oui, hein. Avec le cerf-volant. Ah là, je ne sais pas du tout ce coquille. Ah oui, c'est la bobine avec le fil estampillé. Donc, je pense que ça sent comme ça. Voilà. Elle est trop, trop belle. J'adore. C'est trop beau. Trop beau. Attends, système là. La petite. Truc, j'aime bien. Et puis forcément, comme les ATS, ça va sur avec 3. Elle m'a mis sur la prochaine page, la page suivante, pardon, petite image vintage avec le petit garçon qui court avec son cerf-volant. C'est juste trop bien. La page suivante, on a, je pense, l'ATS numéro 2. Alors, bêtise. Je suis un peu gauche, c'est petit, hein, ces trucs-là. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Et là, on a les petits personnages, les petits garçons. Avec un jeu de croquet très vintage, j'adore. Et là, on a la toupie avec le petit chien nounours. Oh, c'est juste trop beau. Superbe ATS. J'adore, elles sont trop belles. C'est vrai que c'est un sujet. Les vieux jouets, c'est sympa, ça. C'est un joli thème. Trop, trop beau, j'adore. En plus, je ne sais pas ce que tu as utilisé du ribbon. Soit c'est du ruban ou soit c'est des embellissements que tu as plastifiés ou glossy, ça fait brillant, j'aime bien. Très très joli. Trop trop beau.
Ça, c'est donc la 2 sur 3, c'est la numéro 2. Alors, ton système-là, je vais te copier l'idée parce que c'est grand eyes. On sait pas trop. Enfin, on sait les utiliser, mais je veux dire, voilà, ça donne encore une idée supplémentaire d'utilisation. Et la troisième, oh, trop mimi. Oh, avec le landau d'époque. Trop bien. Et là, on a le petit nounours vintage. J'adore ces nounours-là. J'ai eu la chance d'en trouver quelques-uns pour ma déco perso. Ils sont trop, trop beaux. Je kiffe, je kiffe. Superbe ATS. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis, daté en 1926. Tout y est. C'est super. Avec la petite toupie. Oh, là, tous ces toupies en fer, là, qu'il fallait pour qu'elles tournent. Je vois ce que ça vaut maintenant qu'on avait ces trucs-là. Enfin, moi, j'ai connu ça. C'est trop, trop beau. J'adore, j'adore. Toujours pareil, le système de la petite pochette pour le mettre dedans. Je vais mettre comme ça. J'ai peur de voilà. Et le landau là, trop mignon. Voilà. C'est une super idée pour ranger les ATS. C'est génial. Je vais te repiquer l'idée parce que j'ai une petite série de 3 à faire pour une copinette. Donc, je vais te piquer l'idée, Mamijo, si tu ne m'en veux pas, de ta petite pochette d'ATS comme ça. C'est génial parce que j'ai le die, il faut que je regarde. Oui, je l'ai. Donc, c'est super génial. J'aime bien ton tamponnage de petite pince là. Ça met une petite note de trop trop beau. Et tout ça, je sais pas comment, c'était mis, mettre comme ça, c'était mis dans cette jolie pochette. Je te remercie infiniment, Mamijo. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Superbe. Et d'ailleurs aussi, je vais te piquer aussi l'idée de ce truc-là. C'est sympa comme tout. On y met des petits embellissements dedans. Sa petite carte. Le tour est joué. C'est superbe. Et puis là, tout le monde se met à la couture. C'est super ça. Et ça rend bien. Hein. Rien à faire. Hein. Quand on utilise une machine à coudre, on cousse ses images, on cousse son tissu. C'est magnifique. J'adore, j'adore ta pochette. Elle est trop, trop belle. J'adore ce tissu-là. C'est trop beau. C'est une tuerie. Merci. Je te fais des gros bisous, Mamie Jo. Alors, j'ai reçu Mamie Jo. J'ai reçu du Nani. Que vous dire? La boîte aux lettres du bonheur. Et ma petite frimousse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Des bonnes vacances pour celles qui sont parties ou celles qui vont partir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.